Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, une intervention de souris dans une maison. Une dame se retrouve avec plein de souris dans sa cuisine. Donc, je vais préparer le matériel et je vais vous montrer où je pose ça dans la cuisine. À de suite. Donc, préparation des boîtes à souris. On ouvre la boîte fermée à clé pour éviter que les enfants ou les animaux n'y touchent pas dans la maison. On met de la pâte à l'intérieur, la petite souris rentre par le trou, rentre à l'intérieur, grignote et meurt au bout de 5 jours. Après, ça, on appelle ça une plaque glue. On enlève le papier, on met un petit tapis au milieu. On pose ça dans la maison, un endroit stratégique, et la souris est attirée par l'appât et se colle sur la plaque glue. Donc on prépare tout ça et on va amener ça chez le client. Voilà, on est derrière le frigo et vous voyez, les souris ont commencé à faire un trou dans le mur. Donc on va mettre une boîte à rongeurs juste derrière le frigo. Voilà, les appâts bleus ne sont pas mangés, donc à mon avis, ils ne passent pas trop là. C'est quand même assez bien fermé. On va quand même mettre une boîte. Je vais sortir dehors directement. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, cette petite intervention de souris. La cliente a attrapé en tout, avant que j'intervienne, 8 souris. Vous avez vu, il y en avait une qu'elle a attrapée dans une boîte. Donc elle était, la pauvre petite souris était coincée, elle était un peu fatiguée parce qu'elle a dû manger du poison que le client avait mis. Voilà, donc là normalement en 10 jours, ils n'auront plus de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Un petit pouce bleu, laissez des commentaires. Et je vous dis à très bientôt les Dédés.
toi qui n'es pas encore un petit Dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.